Vous. Oui. Louise, est-ce que mon père va venir le faire une fois sur notre coup? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé de enlever 75% du mot bravo. Après moi, la fougue et 4 heures d'amis de ta soeur. 3 heures et demie. Et le qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge avec un coup de beurre. Elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simon dans celle et Simon sous sa douche. C'est toi que je propose mon nom. Toi qui n'es pas mis au temps qu'elle se sert, qui d'additionne à ta soeur. J'ai une adoration, je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes aussi au sommet l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, détrompe-toi. Je suis loin d'être comme Simone, très loin. Figure-toi, dis-toi bien, si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je ferais de vous. Illico, illico, sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, Skiano. Copénos, un Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de cela compte. Tu lui dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte de l'Hippolyte? Ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. C'est où c'est le camp? C'était l'enfer. Non. On aurait dit. C'est normal. Ça vient du grec, le koilos, le creux, et Aconta épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi. Je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi en gardant mon souvenir de cette fois. Où tu vas? Dehors, ou en hier. Tu reviendras? Je pense pas. Ah, fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Thank you.